Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Binou et on se retrouve sur cette fois-ci Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution. J'ai oublié de dire Shippuden, mais c'est pas grave. Et puis j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Donc là, on se retrouve pour un épisode de Naruto où qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tournoi de c'est quoi déjà? De ninja, je sais même plus comment il s'appelle, mais de rancée. Voilà, j'ai déjà oublié. Ouais, bon, on va y participer tout de suite. Et puis, faut savoir aussi, je viens juste de la voir, donc j'ai pas vraiment l'habitude d'y jouer, donc c'est pour ça que je vais peut-être être assez mauvais, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez pas me chier dessus pendant les commentaires. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'a dit, lui? Oui, je veux commencer. Donc voilà, on va faire le tournoi de rancée. J'espère que ça va pas être trop dur, le rendez. Je l'ai fait easy, mais bon. Qui va-t-on choisir en deuxième et troisième personnage? Ah, on va prendre l'équipe 7, allez. Avec Sakura et on va prendre Naruto, ce Naruto-là. Donc voilà, parce que c'est un nouveau personnage, donc pour ceux qui n'ont jamais vu de Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution, vous allez pouvoir voir des nouveaux personnages, donc là Kakashi et Naruto, parce que Kakashi, oui, c'est un nouveau Kakashi, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas, bien sûr. Et si vous avez jamais vu de Naruto, bah voilà, il serait peut-être temps de vous y mettre. Parce que moi, personnellement, j'adore ce jeu. Parce que je suis fan de Naruto, donc là, celui-ci ne me déplaît pas. Ouais. D'accord. Donc là, normalement, on choisit la priorité de nos personnages. Donc en premier, je vais prendre Sakura. En deuxième, Naruto. Et je vais finir avec notre personnage. Notre champion. Parce que j'ai choisi de faire le tournoi avec Kakashi. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais obligé de prendre Kakashi. Donc on va lancer le combat et puis voilà. Donc moi qui suis fan de Naruto, au niveau des personnages, là je suis conquis, sans personnage, tranquille pour le jeu, c'est excellent. Par contre le seul problème c'est, ouais, le mode carrière, enfin le mode histoire qui... Ouais. Enfin voilà. Wow. Wow, non. Ça va pas le faire là, s'il commence déjà à me casser les couilles, allez hop. Quoi? Qu'est-ce qu'il... Ah oui, Sasuke aussi, il y a un nouveau Sasuke, il est pas mal aussi. J'avais oublié qu'il pouvait faire ça. Voilà, mais il va prendre cher parce que... Donc là, oui, c'est un nouveau... C'est un nouveau... Par contre, je vais baisser le son de mon micro, enfin de mon casque, parce que ça commence à me saouler. Wow, wow, comment il m'a eu? Oh non! Mais non, là je prends trop cher. Là je trouve que je prends vraiment cher. Donc oui, il y a une apparition des rails. Ça c'est nouveau, vous allez voir ce que c'est. Bon, je suis vraiment nul en QTE, donc voilà. Apparition d'un autre rail. Bon, d'abord on va se faire celui-là. Le quatrième caisse de cahier. Voilà, connard, casse-toi. Voilà. Comme ça, on va s'approcher du rail. Parce que oui, c'est un nouveau système de combat qu'il y a dans ce Naruto. Attention, L1. Ok, j'ai eu celui qui était... Wow, comment il a pris trop cher le quatrième. 0 point. Il a vraiment pris trop cher là. Oh, les deux en même temps. Oh, la double. Oh, elle était magnifique. Oh, à nouveau. Ah non, Sasuke, il l'a pas pris. C'est con, mais là, je pars très bien. Je pars avec 4000 points quasiment, alors que j'ai... Enfin, voilà. Donc, je suis content. Donc, j'ai même pas expliqué les règles, déjà. Au départ, on part avec un total de 1000 points, et quand on tape, on gagne des points, et quand on se fait taper, on perd des points. Enfin, bref, j'explique peut-être mal, mais voilà, c'est comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir le plus de points. C'est tout.
Donc là, normalement, le total, ça fait 8000 points. En plus, avec le nouveau Naruto, comment il est excellent. Les Rasen Shuriken en combo, là, c'est quand même un peu cheaté. Rasen Shuriken en combo, en technique secrète, je trouve ça à limite déjà, ça fait trop mal. Alors en combo, un double Rasen Shuriken, voilà quoi. Et lui, qu'est-ce qu'on... Alors lui, une bombe des bijoux. Enfin non, un bijou cadavre. Ouais, c'est beau quand même. Faut avouer que là, au niveau des personnages, voilà. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Mais j'ai Loki Kick comme personnage là. Mais j'ai aucun personnage là. Ah mais ça j'aime pas ça des fois. Ah voilà. Il suffit de réappuyer sur le joystick. D'accord. Il y a eu à moitié un bug. Sugetsu là. Bon, on va s'attaquer à sa souris. On va faire un bon le combo, celui-là on l'a déjà fait. Allez, un petit incliné. Oh, je trouve ça se classe quand même. Allez, Berazen Shuriken pour la fin. Oh, le combo que j'adore. J'ai même pas fait de choc, j'aurais dû. Là, pour ceux qui connaissent pas Naruto, ils se demandent, vous devez vous demander ce que je dis, parce que je dis vraiment de la merde. Enfin, de la merde. Non, mais du vocabulaire incompris par ceux qui ne connaissent pas Naruto, voilà. Alors là, normalement, on est à 12 000 points en tout. Mais comme j'en ai la moitié, il reste une manche. Donc on va la faire avec Kakashi, et puis bah, ça va être tout, en fait. Du coup, ça va faire des épisodes vraiment plus courts que par exemple pour un let's play de Ratchet ou Jack ou Final Fantasy surtout. Mais bon, voilà, là on va se le faire à Kakuzu. Et la dernière, on va se les prendre chacun son tour hein. Tout le monde a droit, comme ça il n'y a pas de jaloux. Bon, si les deux se prennent dans ma technique, pourquoi pas? Encore un marionnettiste. Voilà, apparition d'un rail. Parce qu'en fait, ça dépend avec les personnages. Donc là, on va faire ça. Voilà, ça c'est fait. Celui-là, il va prendre le combo du bas. Donc le Suiton qui passe. Et celle-là, elle va se prendre un Katon. Allez. Mais purée, mais. Non, 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 non. Voilà, bon, de toute façon, là, j'ai gagné. Hein. On peut dire ça comme ça. Le rang C, c'est pas trop dur. Bon, là, je fais toujours les mêmes combos, mais on s'en bat les steaks. Allez, la fleur de lotus. Parce que j'ai déjà utilisé Kakashi, je sais ce qu'il fait. Et le dernier. Bon, pas le temps. Alors. Qu'est-ce que j'ai gagné là? Ah oui, c'était que la manche de qualification. Bah, j'ai pas gagné le tournoi, c'était que la manche de qualif. Donc, j'ai gagné 6000 Rios. Les Rios, c'est l'argent en fait. Voilà. Shishi Senken, qu'est-ce que c'est? Médaille, les médailles, je sais pas, ça sert à quoi. Et les 40 000 orbes. Ah, c'est sûr, on en gagne plus que dans le Jack, mais. Enfin, ça dépend si le premier épisode de Jack a été uploadé avant celle-là ou pas. Voilà. On a gagné que ça. Bon, bah, si la manche de calife c'est que ça, je sens. Je vais faire tout le tournoi. Je sais pas si je vais le faire dans un épisode ou dans plusieurs épisodes. Donc, je pense en plusieurs. Ça dépend combien de temps ça dure.
Allez hop, la joueuse de Storm, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Félicitations, vous avez réussi. Sa tête. Donc je m'en fous de ce qu'il me dit, hein. C'est pas important. Donc là, on a réussi les préliminaires. Sa tête. Non, bande de cochons. Ah non! C'était les qualifs, maintenant c'est les préliminaires. What? Putain, mais. Alors, on va pas prendre les mêmes cette fois. On a personne avec nous? Non, non, on a débloqué personne. On va prendre un nouveau Naruto. Mais on va changer. Non. Non. Retirer. Voilà. Ouais, bon, non, en fait, on va le prendre. Et en troisième, on va prendre Iruka. Allez, hop. Iruka, nouveau personnage. Ça, c'est cool. Bah, parce qu'on va tout. On va faire une tournante. Hein. Voilà. Bande de cochons. Non, en fait, on va tourner avec les personnages. On va pas prendre toujours les mêmes parce que ça va être chiant. Ouh. Il est moche, leur feu d'artifice. Mais bon. Oui. この忍耐で果たして誰が最強なのか忍びなのか侍なのか時の流れを超えて強者たちが続々と参加していますかつて忍界を騒がせたあの忍びがいますのあの忍びももちろん参加していますこの中の一体誰が最強なのでしょう今忍界全土がこの武闘祭に注目していますこれより忍界武闘祭を始めるこの大会は最強を決める唯一無二の大会だ最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになるだが栄誉を手にするには試練を超えなければならない武闘祭はいくつかの段階に分かれていますまず挑戦していただくのは予選予選は複数のブロックに分かれて行われそこである程度の人数に絞られます予選といえどこれは最強を決する大会だ力なき者はすぐに敗北することになるだろうわしら五影以外にも多くの強者が参加している生半可な覚悟では勝ち上がれんぞそういうことじゃぜ重ねて言うがこの大会は最強を決める大会最強を名乗るなら相応の覚悟と力を見せろいいなよしそれでは忍界武闘祭開始だウェー feu d'artifice pourri c'est cool donc oui En tout cas, on aura droit à chaque... Oui. Tais-toi, Naruto. Tais-toi, Naruto. Donc, on aura droit à ça à chaque début de tournoi, mais on peut passer à la cinématique, bien évidemment. Mais là, comme c'était la première fois, bah, je l'ai pas passé. Mais voilà, donc on va faire les préliminaires de combat. Le tournoi, oui. Ah, on a été élu grand vainqueur. En fait, c'est le tournoi pour désigner le meilleur ninja et tout, mais... Ouais, c'est un peu n'importe quoi pour ceux qui connaissent Naruto, mais on s'en fiche. Tout ce qu'on veut voir, c'est du combat. Oui, c'est comme ça à chaque fois. C'est bon. J'espère que là, je vais pas être mauvais, parce que c'est pas des personnages que j'utilise souvent. Donc
Donc allez, on va utiliser... On va mettre Hiruka en premier, je pense. Naruto en deuxième. Et on va terminer par Kakashi, comme tout à l'heure. Donc je sais plus comment ça, combien de temps ça dure. Une manche. Donc c'est pas grave si on en loupe, si on rate la première manche ou la deuxième. Pour l'instant j'ai jamais été en retard de points sur une manche. Voilà, on en a deux là à la fois. Bon, Hanzo là il prend cher par contre. Voilà, par contre là, Lee, non, ne t'enfuis pas. Wow, par contre là, je suis en retard de points. J'avais dit que j'avais jamais été en retard de points, bah là, ça, si, ça commence. Wow, la technique, un ordre. Lors des combats 4, les désordres de techniques secrètes peuvent apparaître. Ramasser un arme de technique secrète. C'est ça un ordre de technique secrète? Non, non. Bon, on va faire elle. Oh non, mais non, là on est dans la merde. Allez, on lui fait perdre un peu de vie. Mais non, on a toujours... Oh la vache. On n'a pas eu beaucoup d'orbes, hein. Ah là là. Là, là, ça devient tendu. Donc on va devoir attaquer Neji. Là, j'avoue que c'est tendu. Là, j'ai pas compris. En plus, là, j'ai essayé de... Je sais pas comment faut faire. Je sais pas comment Lee s'est mis en éveil. Voilà, Neji va tout prendre là, je vous préviens. Non mais... Je me fais aggro par... Mais non ça, y arrête de me faire chier. Quoi? C'est moi qui me le prends, oh la vache. Ah, j'ai une technique secrète. Ah bah non, c'est un éveil. Bon. Alors là, il va prendre cher, lui. Alors lui, mais... Il va prendre cher, là je suis en mode 4 queues. Oui, ça aussi c'est dégueulasse. Mais alors là, il fallait pas me faire chier. J'ai un des éveils les plus cheatés du jeu, je trouve. Oh, en tout cas, Neji a perdu plein d'armes. Oh, par contre, ça il en a récupéré. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de défoncer Yamato. C'est celui en bas. Voilà, ça c'est fait. On repart avec les mêmes techniques.
Voilà, combo aérien. Ouh, je me suis fait baiser là. Allez, L1. Allez, dragon à queue, c'est bon. Lui, il est hors de question qu'il prenne pas cher. Non, Yamato. Mais je vais l'aggro celui-là. Je vais m'en prendre à lui. Comme ça, il va pas nous faire chier. Bon, c'est bon, là on a gagné. Fini le combo. Non, j'ai même pas pu faire ce que je voulais, c'est quoi ce bordel? Bon bah c'est cool, au moins on a gagné. C'est pas la fin du tournoi. Préliminaire, équipe qualifiée, waouh, c'est cool. $5000 orbes, machin, ok. Je sais pas à quoi ça sert les orbes. On verra. Donc en tout cas avec l'éveil là, oh là là, avec Naruto c'était pas mal. J'ai pu bien les défoncer dans ce laps de temps. Nagaraku, 本当に長らくかかった予選でしたが、 ようやく全ブロックの本戦出場者が決まり、激戦に幕が下ろされようとしています。多くの者たちが挑んだ、にしかし本戦に進んだのは本当におめでとうございます。本戦開始まではいましばらくの余裕があります。実況はひとまずここでお別れです。次は本戦で会いましょう。それでは皆さん、さようなら。 Ouais, des nouveaux objets. Je m'en fous, mais c'est pas grave. Oui, une réussite, c'est bon. Sa tête. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve au prochain épisode pour terminer le tournoi. Allez, ciao et bisous, caresses.